Yo les gars, c'est Maestro Player 88, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16 pour mon 9ème épisode de mon mode carrière avec Everton. Et on va aujourd'hui commencer avec du lourd, puisque vous allez voir si on va dans saison calendrier qu'on attend. Je crois qu'on reçoit United et on joue chez Arsenal, donc ça va être très tendu. On a ensuite un match de Capital One, donc c'est la 8ème de finale contre des mecs vraiment nuls. Donc on essayera de simuler celui-là pour ensuite jouer Sunderland et peut-être le simuler et jouer West Ham. Donc en tout cas, ça va être sans doute un long épisode puisque je vais essayer de jouer 3 matchs. Donc voilà, on s'est pris une bonne tollée contre Liverpool, on a pris 3-0. Donc là, va vraiment falloir s'appliquer puisque vous voyez dans le classement... Attendez, je fais la merde là, voilà. Vous voyez ici, dans les tableaux, on est 11ème avec 11 points. Donc ce qui est pas ouf, mais après c'est très serré vu qu'on a joué que... je sais pas combien de matchs, mais on a joué que 5 matchs, donc on est plus de 6 au même nombre... Ah bah non. Ouais, enfin on est 6 à 2 points d'écart quoi. Donc on va continuer, là c'est la trêve internationale, donc je crois que mes joueurs sont dans leur équipe nationale. Donc on va laisser passer tranquillou, on a un peu de news dans le bureau. Voilà. Et on va jouer... Ok, mais je joue Angleterre, Italie, France, c'est cool. Et on est parti pour jouer contre United. Donc je vais vraiment essayer de m'appliquer, je vais vraiment essayer de bien jouer parce que pour le coup, je sais que ça va être compliqué, mais on peut faire quelque chose. On va jouer sous la pluie, je vais essayer de mettre la plus grosse équipe possible. Putain, et tous mes joueurs ils sont baissés. Regardez, Cleverley, Jagielka. Et tous mes défenseurs ils sont mal là. Coleman, oulala, c'est tendu. Ils sont pas en forme les mecs. Hein. Je crois que je vais mettre Umtiti à la place de Stones. Il était pas très rassurant, Stones. Et après, au niveau du milieu, je pense que... Barry. Ouais. Neves. Je crois que je vais laisser comme ça, parce que après... Attendez, on va mettre McCarthy, quand même. À la place de... Non, à la place de Barry, McCarthy, on va mettre. Parce que Cleverley, je l'aime bien, et Barry, il se fatigue trop. Donc, on va faire ça. Et on va virer Holgate. Ah bah non, parce qu'il nous faut... On va mettre Galloway. Ah bah non, on a Oveido. Et on va virer... virer Neves alors. Voilà. Bon, normalement, on a une bonne équipe. Deulofeu, Mirala, c'est pas trop mal. Et on est parti. Et voilà, les gars, on est parti. On va se mettre en possession. On va pas se mettre en offensif parce que ça va être tendu sinon. Ouais. Oh, avec Lukaku cette fois-ci. On roule. Ah, oh, punaise, c'était bien joué. On avait débordé, on était passé sur le centre. Ok, on a fait faute. Bon, pour l'instant, les gars, on prend pas de but. Ça prouve que finalement, quand je suis concentré... Non. Oh, punaise. Ils avaient bien joué le coup, là. J'ai pas pu sortir un mec de mon mur. Bien joué, Howard. Oh, punaise. La tête qu'il a mis, je l'ai pas vu venir, les gars. Et franchement, là... Ils ont pas fait une frappe depuis le début du match. Et là, je vous avoue que c'est quand même... Voilà, on est venu à deux dessus. Allez, Coleman. Putain, il n'y a pas d'appel. Bon, il y a Lukaku, mais... Oui, de l'eau, fais-vous. J'ai pas de solution. Ah, dommage. Il y avait McCarthy, j'aurais peut-être dû lui faire la passe, mais... J'ai tenté, je voulais au moins tirer. Bon voilà les gars, c'est la mi-temps. Ils ont eu deux grosses occasions sur coup franc puis sur corner en même temps. Et nous, bah ça va pour l'instant, on n'a pas trop mal joué. Je suis pas trop... pas trop déçu parce que là, on s'en sort bien, on n'a pas pris de but. C'est un gros match, donc on est à domicile, donc faut quand même essayer de gagner le match tout simplement. Ça sort pas, dommage. On va faire un changement là. Qu'est-ce qu'on va mettre Cleverley. J'ai pas grand chose. Non, je peux pas faire grand chose. Quoi. Faudrait que je change mon dispositif, mais on va mettre Barry à la place de Cleverley. Ça apportera peut-être un petit plus. Et voilà, sinon c'est bien. On verra par la suite. Encore.
Avec Miralas. Oh punaise, c'est tendu. Oui. Oh punaise, c'était bien joué. J'avais bien joué cette putain de contre-attaque. Non. Ah, ça fout le seum. Lukaku, c'est pour toi. C'est pour toi, putain. Encore. Ah, dommage. Oui. Lukaku. Elle est rentrée. Putain, il est hors jeu, merde. Oh non, putain. J'ai regardé le tableau d'affichage, j'ai fait non. Putain, j'avais mis la barre en 30. Bon, il était deg le but, mais... Bon, là, on est bien, les gars, franchement. Oh, oh, on prend pas de but. On prend pas de but, c'est mort. Non, mais c'est abusé, je la touche en plus. Non, putain. C'est n'importe quoi. Non, je la touche. Ah, ça fout le seum. Franchement, ça fout le seum, parce que j'ai eu un but refusé, j'ai eu des occasions. Ils ont rien foutu en face, ils ont eu deux frappes. Punaise. Et là, on perd sur un but à la 90e. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. En plus, Howard, il la touche. Regardez, franchement, si on regarde les stats, c'est équilibré. Regardez, on a tiré plus que toutes nos frappes, elles sont cadrées. Leur seule frappe cadrée, il y a eu but. Punaise, on a une meilleure... Ah, c'est chiant. Enfin, bref. Va falloir aller gagner à Arsenal maintenant, ça va être encore plus tendu. Mais bon. Bon, moi, on a fait le match, c'était pas trop nul, mais c'est chiant de perdre des matchs comme ça, parce que là, il y avait moyen au moins d'obtenir le nul, quoi. Ouais, faut que tu joues plus, Bezic, t'as raison. C'est moi, je suis pas sympa. Offre pour le poste de sélectionneur, je m'en fous, c'est équipe Pologne, ouais. Ah bah, il y a Lewandowski, c'est sympa, mais... C'est pas très fun, sinon. Bon. On va jouer le match. Et Liverpool, ils sont moins bien que nous. Attendez, on est à combien, nous? On est à combien de points? Ah non, on est 15e, les gars, c'est tendu. 15e, on a 11 points. Voilà, on aurait été dans le milieu de tableau, sinon, si on avait fait un nul. Bon, bah là, il va falloir gagner. Si on gagne Arsenal, on est bien. Bon, je sais pas quel maillot prendre. On va prendre celui-là, hop, comme ça, au moins, on verra la différence. On s'en fout de toute manière. Putain, mais c'est vrai, en défense, ça fout le seum, là. Ils sont tous mauvais, là. Regarde ça, Cleverley. Il a fait quoi, McCarthy? Ouais, faut que je leur mette titulaire, McCarthy. On va mettre Bezic, tiens. Non, mais Bezic, il est pas rassurant, sérieux. Non, non. On va mettre Neves. Pour changer de barré qui me saoule. Jagielka. Umtiti, il a fait quoi? Ouais, mais il est pas en méforme, Umtiti. Coleman, il est bon de toute manière. On va rentrer avec Lennon, parce que souvent, il a fait des bonnes entrées. Donc, on va voir comment ça se passe avec, avec Lennon. On est parti. Et voilà, les gars, on est à l'Emirates Stadium. Et on va donc jouer contre Arsenal. On va essayer de faire notre mieux. J'ai fait quelques changements dans l'équipe. Voir si des joueurs comme... Oh, la faute qu'il m'a faite. Voir si des joueurs comme Neves, comme Lennon, peuvent apporter quelque chose d'autre. C'est hyper compliqué, il faut trouver la solution que dans la passe. Oui! Non, punaise! Oh, c'était bien joué, c'était tellement bien joué! Ah, la passe, elle était parfaite, là. Non! Oh, punaise! Je pouvais rien faire, encore une fois, là. Il faisait tout en une touche, c'est impossible. Bon les gars, c'est la mi-temps, comme contre United, on perd pas, mais il n'y a pas de spectacle, il se passe rien, donc je crois que ça va être très très rapide pour faire le montage. Ouais. C'est bon, il y avait enfin une solution là. Allez Barclay. Oui. Non, Lukaku, non, punaise. C'était bien joué là, mais à chaque fois il faut qu'on loupe ces occasions, c'est chiant. On va peut-être faire un changement... Neves, il est cuit. On va mettre... Oh non, McCarthy. Ah bah, il joue. On va mettre Berry, parce qu'il est bon. On va mettre Deulofeu à la place de Lennon. Voilà. Bon, voilà, les gars, c'est fini. Je suis désolé. Je fais de mon mieux, mais il n'y a pas de spectacle. C'est vous qui me demandez de jouer en champion. Donc voilà. Moi, je veux bien, mais vous voyez, il n'y a pas de spectacle. Il n'y a rien. Bon, on a un nul, mais franchement, au niveau du match, là, c'est rien, c'est nul. On a même pas mis un but. Enfin, même pour vous, c'est chiant, ça m'emmerde de devoir vous poster ça, quoi.
Mais c'est un mode carrière, donc je suis obligé, je peux pas... Limite sur Battlefield, je vous tourne une vidéo, je fais une partie pourrie, bah je le poste pas et voilà, mais... On va simuler le match parce que ça, on s'en fout. Et ouais, c'est parce que enfin, ça m'embête, même là, il a pas d'intérêt ma vidéo, on va vraiment essayer de faire au mieux au dernier match, mais... Bon là, faudrait peut-être qu'on gagne ce match quand même. C'est bon, il a marqué Deulofeu. Ah, c'était tendu, hein. Je simulerai pas les prochains matchs. Hein. 1-0. Bon, on a gagné, c'est déjà ça. Ça va plus vite. On est à domicile, les gars. Y a pas le choix. Y a pas moyen qu'on perde. Je m'en fous. Je vais mettre ma meilleure équipe possible. Attends, on va mettre Bezic quand même. Ça fait 7 ans qu'il demande à jouer. Faut que je remette ma quartier dans le 11 aussi. Oh, Mbolo, il joue pas beaucoup, je vous avoue. Stones. Alors, on va laisser Stones parce que Umtiti, à chaque fois. On... Quoique. Baines, il est passé à 84! Cool. Ok, bon, bah là, on est bien. On est parti. Allez, on est parti, les gars. On va essayer de bien jouer cette fois-ci. On va essayer de marquer surtout parce que ça fait 2 matchs qu'on marque pas, que mon attaque, elle a rien du tout. Et je crois que si on continue la saison comme ça. Au marché des transferts hivernal, je vais investir dans l'attaque parce que ça commence à me gonfler de voir une équipe aussi mauvaise devant. Bon, je vais arrêter de râler. Allez, Lukaku, c'est pour toi. Pied droit, on s'en fout. C'était ça. C'était tenté. Oui, Lukaku. Ah, j'aurais peut-être dû pousser la balle un peu plus loin. Allez, Lukaku. Allez, Lukaku, c'est pour toi. Avec Barclay. C'est fini. Voilà, putain. Un putain de but. Enfin. C'est ça, les gars. C'est ça, Barclay. Voilà, on joue Sunderland. On va mettre 3 points à domicile. Ah, enfin, la vidéo, elle aura un peu d'intérêt. Je suis désolé. Et je vais essayer de vous faire du spectacle. Bon voilà les gars, c'est la mi-temps. On est reparti, 1-0 pour l'instant. Ça me convient, on va pas se plaindre. Allez, on va faire un changement, on va virer Miralas. Je suis désolé mais il me fatigue ce mec. Je sais pas ce qu'il a mais... Là, je le trouve un petit peu mauvais. Oui, avec Lukaku. Enchaîne! Mais pas du pied droit, t'es gaucher! Punaise! Mais... Ah là là, mais c'est pas possible, ces joueurs d'Everton, je sais pas ce qu'ils ont, mais là... Oh, y'a faute! Oh, y'a faute! C'est pour Lukaku, ça, je m'en fous. Je m'en fous, Baines, tu tires pas. Je m'en fous, Baines, tu tires pas. Ah, voilà, Lukaku. On va pas se louper, les gars. Je vais essayer de la mettre au milieu... Enfin, en haut à droite, on va dire. Ici, c'était là qu'il fallait la mettre, sous la barre. Un peu sur le côté, ça passe tout le temps même en ligne. Et voilà, 2-0 les gars. Ouh, c'était laborieux avec mon équipe de CFA là. Franchement, je crois que c'était l'épisode où mes joueurs, ils ont le plus mal joué. Mais de tout mon mode carrière pour l'instant les gars. Franchement, là c'était mauvais. Mais bon, au moins on a gagné le match contre Sunderland. On va voir comment ça se passe au niveau du classement, parce que on était à 11 points, et là, on remonte à 14. Ah non, on est même... Ouais, on est à 11. Donc, on va peut-être monter en place. Ouais, on passe 10e, les gars. Ça joue pas à grand-chose, là. Regardez. On passe 10e. Ah ouais, mais il y en a qui n'ont pas encore joué. Et on est... Ah, si on gagne le prochain, on peut bien monter aussi. Je vais juste attendre que les autres jouent. Voilà, lundi, mardi... Ok, mise à jour, ok. Et là, on se retrouve, on est 10e toujours. Ok, c'est très bien. Bon, bah voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle sera assez longue.
Bon, on a eu quand même une défaite contre United, un nul contre Arsenal et victoire contre Sunderland, donc c'est bien, c'est monté crescendo. On a eu un peu de mal à débuter, mais voilà, finalement, on s'en est pas trop mal sorti. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et bien sûr à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours très plaisir. Merci d'être aussi nombreux à regarder ce mode carrière et je vais tout simplement le continuer puisque ça vous fait très plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos de gaming sur ma chaîne. Salut à tous!